Ah, c'est un beau bébé, hein. Je pensais pas que c'était comme ça, un accouchement. Impressionnant, hein. Ouais. Et vous, c'était comment, votre accouchement? Je sais plus. Sauver les océans, c'est sa passion. Elle a du boulot, hein. Maman, c'est qui mon père? Monsieur, les contractions, c'est pas dans les épaules. Faudrait se démaquiller, attacher les cheveux, enlever le vernis, couper les ongles. Bienvenue en mater. T'es au courant? De quoi? Il a survécu, mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte, parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc alors. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez. D'être pas syndiqué, que je sache. C'est toujours rester à l'écart, alors continuer comme ça, c'est mieux. Je crois pas, non. Ils portaient encore des couches que moi, je mettais déjà des bébés au monde. Non, Jeanne. Il y a un mec là en bas à l'accueil qui cherche une Norma, il dit qu'elle travaille ici. T'es exploité, t'as des horaires de merde et t'es payé moins qu'une femme de ménage. Bonjour de cauchemar, hein. C'est pas parce qu'on fait ça par vocation qu'on doit être payé minablement. Donc ce soir, il faut décréter la grève. Enfin, attention quand même, parce que c'est peut-être l'heure de l'apéro, mais c'est pas un shaker.